Salut tout le monde, nous allons voir ensemble le montage du Tormek T4. Je voulais le faire hors caméra, mais finalement je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous, et peut-être même vous être utile. Donc je l'ai juste déballé, et encore quand je l'ai déballé, je vous ai mis certaines photos sur la page Facebook. Maintenant, on va le monter complètement, donc je l'ai juste assemblé, Je l'ai simplement posé pour le moment sur l'établi. Et donc nous allons voir ensemble un petit peu le montage. Donc ce qui est fourni, la seule chose que j'ai mis comme ça pour le moment, c'est le bac à eau, qui est très très plastique. Ça c'est pas qualitatif du tout. C'est très fin, très léger, donc je sais pas si ça va tenir dans le temps. Bon après c'est juste pour mettre de l'eau, mais bon voilà. L'outil en lui-même là est très très léger. Donc c'est pas mal, après tout le reste est très qualitatif, hein. Alors il n'y a rien à dire, hein. Il y a la petite poignée là qui est pas mal. La seule chose qu'on pourra pas voir, c'est on pourra pas vraiment le mettre en œuvre. En tout cas on pourra pas affûter mes ciseaux à bois et autres, puisque tout simplement je n'ai pas reçu les accessoires. Donc il y a la machine, il y a le guide, il y a le guide de tout accessoire qui est avec. Donc il y a la petite pierre fournie avec, qui a deux fonctions, côté fin égalise la surface pour un affûtage fin, et le côté rugueux réactive une meule encrassée. Ça sert à nettoyer la meule. Alors ça j'ai bien aimé, Tormek fournit des petits pansements, des petits trucs cons que vous savez que j'aime bien ce genre de trucs. C'est assez drôle, c'est malsain quand même, hein, comme cadeau ça. Le mesureur d'angle, qu'on verra beaucoup plus tard sur l'utilisation, parce qu'il faut, avant que je vous présente, que j'apprenne à m'en servir déjà, ce qui n'est pas forcément facile. Il y a une pâte d'affilage qui est fournie avec. Il y a un tube de... Je pense que c'est la meule d'origine, donc c'est la SG200. Donc on peut évidemment changer les pierres et mettre d'autres modèles. Putain, ça c'est lourd. Hein. Oh. Donc on va essayer de pas faire le bourrin et de suivre un petit peu la notice. C'est rare, je le fais rarement. Bon, alors jusque là tout va bien. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, forcément, puisque ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On va tourner le bac. Tac, on remet ça. Toise, tourner les coups, monter easy lock à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la meule se serra automatiquement au bon couple. Vous n'avez besoin d'aucun outil. Important. Pour le démontage, tournez la meule à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ouais, à l'inverse. Tac, pour le démonter. Ok. Pouvoir mettre notre petit guide. Alors le câble, mettre ça en route, on va remplir le bazar. Super, on l'a foutu partout. Ah wow, la vache, elle est coupe. Ah ouais, ça affûte les doigts. Wow la vache, et qu'est-ce qu'elle boit l'eau, c'est incroyable. Oh c'est beau. Donc je vais la faire tourner le temps qu'elle avale l'eau. Venez de dire quelque chose, je n'ai pas entendu. Bah c'est normal parce que j'ai rien dit. J'ai vraiment fait mon gros porc là, j'en ai mis partout. Alors j'ai mis un chouïa trop d'eau dans le bac. Je sais pas trop comment aller la récupérer pour le moment. Mais je suis un petit peu trop pressé là de tester un petit peu l'affûtage. Je vais donc le tester sans le gabarit. À l'aide d'un ciseau à bois tout pourri que je me sers à taper quand je veux juste dégrossir. Donc c'est des ciseaux à bois de merde, achetés premier prix dans un magasin de grande surface. Donc pour l'affûtage ça ira très bien. Je vais vraiment essayer, hein. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, et voilà, hein. Pas de panique, pas de critique. Je vais juste essayer et voir un petit peu, parce que ça a l'air de tourner quand même tout doucement, hein. Ça m'épate un petit peu quand même, hein. Donc là on voit effectivement que j'ai mis trop d'eau, donc ça dégueule un petit peu. Je vais le re-remplir au bon niveau parce que ça me saoule un petit peu là. Je peux vous dire que là le tranchant c'est un truc de ma boule, hein. Bon l'acier c'est de la merde, hein, sur les ciseaux, hein, là, mais... On va voir ce que ça donne. Un morceau.
pas trop abîmer ce morceau quoi parce qu'il va me servir à autre chose, mais... Et bon, de toute façon c'est de la daube, hein, les ciseaux. Hein. Ouais, bon après la technique d'affûtage est pas forcément top. Mais déjà toucher, ça tranche quoi. Nous verrons donc après ce que ça donne réellement sur l'utilisation. Proprement dit, bien fait, avec le guide qui va bien, avec des bons ciseaux. Donc du coup, refaire un affûtage sur tous mes ciseaux à bois, à l'aide évidemment du Tormek T4. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour le moment, je peux pas vraiment vous en dire plus. Je vais bosser sur les bouquins qui sont fournis, sur l'utilisation. Et puis vous inquiétez pas, on reviendra évidemment dessus, puisque je ferai une vidéo complète lorsque j'affûterai tous mes ciseaux à bois de l'atelier. Les vrais, hein, pas les merdes que j'ai derrière. Allez, salut !